Vous et moi, notre vie, de façon individuelle, là, il y a un point d'encore de souffrance, un point de douleur. Que tous les chrétiens apprennent. La vie que tu mènes. Et tu dis que mieux vaut pour toi mourir. Il y a eu des gens où il y a des gens qui ont ces mêmes problèmes ou ces mêmes difficultés et qui ont quand même gardé leur foi. Est-ce que vous voyez? Le diable, sa volonté, c'est que quand tu es dans la douleur, quand tu es dans la souffrance, quand tu es dans la pauvreté, que tu te prosternes devant lui. Quand tu as un besoin charnel, quand tu as besoin de satisfaire par la chair, que toi tu puisses obéir à sa voix. Si tu obéis à sa voix, il va maintenant prendre tes données. Souviens-toi que Jésus a refusé cela. Mais si toi aussi, même si tu vas mourir, n'obéis pas à cela. N'obéis pas à la voix du diable. Veille car c'est l'épreuve de ta foi. C'est l'épreuve de ta foi. Le livre de Jacques dit: heureuse est la personne qui va demeurer ferme pendant le temps de preuve. Quand après avoir été éprouvé et qu'il supporte patiemment la tentation, la vie, la couronne de vie est réservée pour la paix. Bien-aimés frères et sœurs, la semaine passée et le dimanche, nous avons parlé de l'Apocalypse au chapitre 2, une lettre qui s'adresse à l'église d'Éphèse. Le Seigneur lui-même ayant détaillé quelle était la vie qui se vivait dans cette église. Le dit de l'église d'Éphèse, j'ai connu tes œuvres. J'ai connu tes souffrances également. J'ai connu ta patience. C'est que vous n'avez pas accepté donc ceux qui sont méchants. Et vous éprouvez également ceux qui se disent serviteurs et qui ne le sont pas. Mais il s'est rendu compte qu'ils sont des menteurs. Ils disent de patience, acceptant la souffrance à cause de mon nom, sans donc se relâcher. Mais maintenant, ce que j'ai contre vous, c'est que tu as abandonné ton premier amour. À cause de cela, souviens-toi et rappelle-toi d'où tu es tombé. Répands-toi pour pratiquer à nouveau tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je vais ôter ton chandelier de la place où il est. Mais pourtant, ce que tu as, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voyez l'église d'Éphèse. C'était des gens qui ont vraiment accepté la souffrance. Des gens qui ont usé de patience. Et qui n'acceptaient pas du milieu de ceux qui sont méchants. Et qui éprouvaient même les serviteurs pour voir. Si tu te réclames serviteur et pourtant tu ne l'es pas, eux ils le savent. Ils les ont éprouvés, les ont trouvés menteurs et esclaves.
escrocs. Et c'était une église qui avait de la patience, qui endurait de la souffrance à cause du nom de Dieu. Et si nous avons une telle foi, c'est vraiment une foi parfaite. Et ce que le sujet sur lequel Dieu n'a pas été content de cette église, c'est que le premier amour qu'ils avaient pour Dieu, le premier amour qu'ils avaient pour les frères et les sœurs, le premier amour qu'ils avaient pour l'œuvre de Dieu, ils l'ont égaré. La vie chrétienne est comme ça. Tu peux être soumis à quelque part. Tu es soumis à un côté. Et tu fais des efforts d'un côté. Mais je vous rappelle encore ce soir. Tu es si pour vivre la vie sonninga, c'est non seulement. De ne pas oublier la vie spirituelle, la bonne vie spirituelle qui est l'amour. Il est bien vrai que le livre de Jean dit que l'amour sans l'amour, tu marches dans les ténèbres. Et la personne même qui marche sans amour tâtonne, ne sachant où aller. Mais écoutez, le diable fait de son mieux également pour que les frères et les sœurs portent la haine l'un envers l'autre. Le soleil ne peut paraître sans que le diable n'envoie un problème. Le diable fera de son mieux pour provoquer une parole, provoquer un comportement, en sorte que tu ne vas pas. Que les gens portent la haine les uns envers les autres. Parce que Jean dit que si nous ne nous aimons pas, nous que nos yeux peuvent constater et voir. Nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu, celui-là que nos yeux ne peuvent pas voir. Mais l'église d'Éphèse, la première souffrance dans cette église souffrait à cause du nom de Dieu. Je vois leur patience dans tous les problèmes. La vie n'inga sinya teba vima ashura ashora ayambisa ya ngongoloma. Mais la vie spirituelle, les reins ou bien le foie même de la vie spirituelle, là, c'est l'amour. Je dis encore que ce sont les organes vitaux tels que les reins, le foie, les poumons, le cœur, qui sont les organes vitaux qui tiennent notre corps, notre organisme en vie. Tu sirves pour vivre, mais tu es sans cabé, tu es le même cabé, tu es sur le coup de cabé, tu es non le même cabé. Et dans la vie chrétienne également, sans la vie de sanctification, sans la vie d'amour et sans donc ces qualités de vie, c'est une vie donc chrétienne qui est morte. Le manque de pardon, la sanctification, la foi et l'amour, si ces qualités là ne sont pas, notre vie spirituelle est morte. Voilà pourquoi cette vie devient ténèbre. Mais vous savez que le chandelier donc a 7 branches. La pétrole la bétengra on compte branche yopo wan pétrole la tubuma wite. Mais le pétrole là, où le pétrole est donc est contenu dans un fût en bas et donc c'est, et c'est ça qui alimente les 7 branches du chandelier. Mais si un des canaux donc est bouché, cette branche donc sera donc coupée et ne pourra pas éclairer. J'ai expliqué la fois passée. Jésus qui s'adressait à ses disciples. Qu'êtes-vous allé voir en brousse? Un roseau fouetté par le vent. Parce que Jean-Baptiste. Il était dans des problèmes. Et Jean-Baptiste a prêché la parole en disant,
qui n'est pas venu pour casser le roseau qui est courbé. Qu'êtes-vous allé voir? Est-ce le feu donc qui mijote à peine? Jésus n'est pas venu pour l'éteindre. C'est de pouvoir l'activer afin qu'il puisse éclairer davantage. Mais cette exhortation de l'église d'Éphèse dit que chacun se souvienne de là où donc il a trébuché par rapport à l'amour pour faire et garder son flamme. Le premier amour qu'il avait envers Dieu et le premier amour qu'il avait donc pour les frères. L'amour également qu'il avait pour l'œuvre de Dieu. Que l'offense qui t'a fait donc perdre cela, rappelle-toi de cela. Est-ce que vous voyez? De se souvenir. Et tu te repentes. Et revenir sur tes premières œuvres. Celui-là qui ne fait pas ainsi. Je viendrai. Je vais venir ôter donc le chandelier. Vous et moi faisons un effort. Que Dieu ne vienne pas à essayer donc sur vous et sur moi en vain. Jusqu'au point de venir ôter la lumière qui est en nous. Si Dieu donc ne s'intéresse plus à notre vie, et si le Saint-Esprit fait défaut dans notre vie, nous allons marcher quotidiennement dans les ténèbres. Celui qui marche dans les ténèbres sait qu'il va s'égarer. Cette personne, aucun conseil ne peut faire encore effet dans sa vie. Donc, cette église d'Éphèse, voici la vie qui a été. Moi, ça. Maintenant, nous sommes au chapitre 2, au verset 8. Qui est l'église de Smyrne. L'église de Smyrne. Et cette église n'a pas été jugée en tant que telle. Mais cette église, quand même, elle a reçu une exhortation. Je vais demander à ce qu'on lise dans Apocalypse au chapitre 2. Verset 8 au verset 11. Nous allons jeter les yeux sur cette église. Kwega smin terba yinga. Gulus mam terba guda sembe smin yelietia. Siya singre la sebo. Sendaran yakum lebonfura yeta metia. Mambanga yam tora ne nonga. Bayam siya arsek srama. La mambanga nebni ici. Seyetibam ya jiframba ti yolan kasira tusgo la bam ya sutana renda bira zera be ne bumni si senanam siamba ye gese sutana na kensa yam kere bibesro renti yam pa makre la yam nan pa manam sokola sampiga bima nere halti taku la mam na kon yam fi manfo Neninga senta tuba bien qu'elle a boumini si son sento ser mam tirba. Ti neninga senantore, kuma yib saba konsabienda ye. Yamange, si vous voyez, wendo kanga katal yelouen sentuen balare. Cette église, il n'y a pas eu un péché condamnable. Mais boule mam tirba goud. Écrit à l'ange de mon église. Écrit cette lettre pour s'adresser donc au pasteur de l'église de Smyrne. Voilà, François, en français, il est dit un ange de Dieu. Et en moré, il est dit donc celui qui veille sur l'église. Donc là, tu es là, mais sincèrement, pour dire que être berger,
c'est compliqué, c'est difficile. Dieu va demander le compte à tout berger. De le comment est-ce qu'il veille sur ses brebis. Et de la manière qu'il s'occupe des membres de son église. Et de l'endroit où est-ce qu'il est en train d'amener le peuple de Dieu. Là, il est dit, écris à l'ange de l'église. Et dis-lui que c'est ce que je dis ainsi. Voilà. Parce que. C'est lui qui est le début et c'est lui qui est la fin. Jésus a été au début, il a été à la fin également. La japa ma vénéré ti yanere ndanga vie la kwela me la vie ma. Mais Jean a eu cette révélation que c'était une personne qui était mort, qui était vivante, qui était tuée et maintenant qui est revenue à la vie. Mais voici ce que dit le verset 9. Dieu dit, cette église, j'ai connu ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Je reconnais également ceux qui se réclament, ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Vous et moi, tous les chrétiens de façon individuelle. Je connais la douleur ou la souffrance que j'endure et que tu endures également. Là, il n'a pas été dit que la souffrance est venue te trouver grâce à ton péché. Cette église n'a pas connu, n'a pas eu de péché. Mais pourtant, elle a vécu dans des temps de tribulation, de douleur. Ce qu'on a, le message adressé à cette église-là est contraire donc à ceux qui disent qu'un chrétien ne doit pas souffrir, qu'un chrétien ne doit pas connaître des problèmes. Vous et moi, notre vie, de façon individuelle, là, il y a un point d'encore de souffrance, un point de douleur. Que tous les chrétiens apprennent. La vie que tu mènes. Et tu dis que mieux vaut pour toi mourir. Il y a eu des gens où il y a des gens qui ont ces mêmes problèmes ou ces mêmes difficultés et qui ont quand même gardé leur foi. Il y a des gens qui pensent que le fait qu'ils ne se marient pas, c'est parce qu'ils ont fait des péchés. Et certains se disent que c'est le fait qu'ils n'ont pas de travail, c'est grâce à leur péché. Et certains se disent que le fait que je ne progresse pas, je n'avance pas, c'est parce que j'ai fait des péchés. L'église de Smyrne, il n'y a pas de pécheur là-bas. Dieu n'a pas révélé à Jean un péché d'un quelconque membre de l'église. Écoutez-moi, mes frères. Mais pourtant, cette église a vécu dans des tribulations. Il est dit, quoi qu'ils se disent riches, ils ont vécu comme des pauvres. C'est pour dire, spirituellement, ils avaient des richesses. Mais dans la vie physique là, ils sont des pauvres. Comme vous et moi qui sommes assis aujourd'hui, chacun peut dire qu'il est pauvre. Mais du côté de la vie spirituelle, Dieu nous considère comme des gens ayant la richesse spirituelle. Je répète à certains encore, ce n'est pas l'argent, les véhicules et les maisons qui est l'élévation de Dieu. Il y a
la barque sida. C'est le fait de pouvoir être capable de vivre dans une vie de sainteté et de rester pur donc devant les problèmes, devant les difficultés, pour ne pas pratiquer le péché. Ceux qui vivent encore selon la vie charnelle, voici ce qu'ils disent. De nos jours, là, si tu n'as pas de l'argent et tu es à l'église, personne ne te considère. Il va falloir tout faire pour avoir l'argent. Nous qui sommes à l'église, qu'est-ce qu'on a pour qu'on parle de nous? Aïe, c'est des paroles futiles. Et grâce à ces paroles futiles là, ça peut être un canal pour que des démons entrent en toi. Je te montre la raison pour laquelle un démon peut entrer en toi. Si ta pensée est humaine, le diable va venir t'encourager, va venir donc te fortifier dans ces pensées mauvaises là, pour que tu ne parles des choses qui ne viennent pas de Dieu. Vous savez, à Jésus, Jésus a posé la question. Les gens disent que qui je suis. Le Saint-Esprit est venu sur Pierre. Ta Pierre est là. Et Pierre dit, Christ. Tu es Christ. Moi, le Fils du Dieu vivant. Ta Jésus est. Et Jésus dit, c'est comme, en toute réalité, ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, Pierre. Mais c'est l'Esprit de mon Père qui te l'a révélé. Peu de temps après, Jésus a dit, il y a encore 3 jours et j'irai à Jérusalem. On va me placer entre les mains des gens qui vont me faire souffrir. Mais voici, ils vont me tuer. Mais 3 jours plus tard, je vais ressusciter. Pierre, mais en ce temps, avait une pensée humaine. Le diable est venu entrer en lui. De dire à Jésus que cette chose ne se fera pas. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Parce que ta pensée, elle est humaine. Ce n'est pas Pierre qui est Satan là. Mais la parole que Pierre a dite là, c'est une parole ou bien c'est une pensée du diable. C'est cette parole qui a fait en sorte que Ève n'a pas su discerner la voix du diable. Dieu a dit, ne consomme pas le fruit de l'arbre. Si tu consommes, tu mourras. Le diable dit, non, vous ne mourrez pas. Vos yeux s'ouvriront et tu connaîtras le bien du mal. Mais Ève, comme elle n'a pas écouté Dieu et elle a écouté le deuxième messager, le péché est venu pour tous les hommes et la mort est venue suite au péché. Et Dieu aime toujours l'homme. Il est venu prendre la forme humaine en Marie et devenir un être humain pour se substituer à nous et pouvoir vaincre la ruse du diable. Est-ce que vous suivez toujours? Alléluia. Alléluia. Donc cette église, l'église de Smyrne, Jésus n'a pas fait cas de leurs péchés. Et pourtant, il a parlé de leurs souffrances. Il a parlé de leurs tribulations. Mais il encore, il est dit même que le diable en personne va vous faire souffrir pendant 10 jours. Cette prophétie a été sur les disciples. Ils ont été emprisonnés. Parce que le livre d'Apocalypse révèle des histoires passées et des choses qui vont venir. Mais au moment où Jésus parlait de l'église de Smyrne, cette prophétie s'adressait sur ses disciples. On va les persécuter pendant 10 jours. Et ils seront emprisonnés aussi. Ils vont également être éprouvés. Mais demeurez ferme et pratiquez le bienfait jusqu'à ce que le diable vous tue, jusqu'à votre mort. Parce que j'ai déposé une couronne de vie pour ceux qui vont remporter la victoire.
Frères et sœurs, cela n'est que toi et moi. Dieu a choisi donc que je dois recevoir la couronne de vie. Parce que Dieu avait confié le jardin d'Éden à Adam et Ève. Le diable a fait de son mieux. Avec sa ruse. Pour venir récupérer. Dans Luc 4, si vous lisez. Le diable a dit à Jésus. Quand lui a donné cela. Et lui, Satan, il le donne à qui il veut. Donc prosterne-toi et m'adore. Et je vais te le donner. Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et l'accepter lui seul. Est-ce que vous voyez? Le diable, sa volonté, là, c'est que quand tu es dans la douleur, quand tu es dans la souffrance, quand tu es dans la pauvreté, que tu te prosternes devant lui. Quand tu as un besoin charnel, quand tu as besoin de satisfaire à la chair, que toi tu puisses obéir à sa voix. Si tu obéis à sa voix, il va maintenant prendre tes données. Souviens-toi que Jésus a refusé cela. Mais si toi aussi, même si tu vas mourir, n'obéis pas à cela. N'obéis pas à la voix du diable. Parce que quand nous menons une bonne vie, que nous menons une mauvaise, une vie douloureuse, la mort est une chose impérative pour vous et moi. Mais heureuse est la personne qui va mourir dans le Seigneur. Il y aura une différence dans la mort. Des gens vont mourir pour aller en enfer. Et certains mourront pour aller au paradis. Acceptez la souffrance. Ici, pas sur terre. Acceptez la pauvreté. Sur cette terre. Acceptez les mépris. Sur cette terre. Acceptez d'être méprisé. Acceptez qu'on dise que tu es insensé. À cause de ton besoin pour le paradis. Alléluia. Alléluia. Ne soyons pas des gens qui vont s'enorgueillir. Je vais encore me dire et vous dire, ceux qui sont là et qui souffrent, ceux qui sont là et qui ont des souffrances, des douleurs, rappelle-toi que les membres de cette église, on n'a pas parlé de leurs péchés. Mais un juste peut souffrir aussi. Un juste peut souffrir. Un juste souffre. Je vais demander à ce qu'on lise dans 2 Corinthiens 12, 7. La timamda wukumenga wilirkes nyingye koma mnyingwa rasi ya sutana tuntumda ta namasmam njidrimam timda wukumengye. Mam kosa zusoba nora atabo tibki tibonken lorum basmam la bamye la mamya mambaraka seka fo tibwen ya pankom sompuren la ned banger mam panga woto mam namana sinoro en yid mam pang kom sompuren te krispang pidmam ya woto nyinga mam manda sinoro pankom sompuren la por poren la yel pakar poren la namso poren. La tour pour Saint-Christ Nyinga. C'est bon. Mam Sankabe Pang Wakate. Ya Wakat Kang Lamam Pam Panga. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voyez une bénédiction ou une grâce du Seigneur qui se retrouve à un endroit. Il est dit qu'on a même pris le diable pour qu'il puisse travailler avec Paul. Pour
pour l'empêcher de s'enorgueillir. Dieu lui-même qui a permis qu'un méchant va faire souffrir un juste pour qu'il puisse avoir l'accès au paradis. Parce que Paul, son appel ou sa vocation est différente. C'est un homme qui était sur son cheval là à plein élan pour aller persécuter l'église de Christ. Sur le jour, et sur le chemin, là où sera, l'Esprit de Dieu l'a rencontré. Il a entendu la voix de Dieu qui lui dit: tu fais souffrir mon peuple. Jésus a dit: pourquoi me persécutes-tu? Il dit: qui es-tu pour que tu persécutes? Je suis Jésus que tu persécutes. Paul a su qu'une personne qui fait souffrir un chrétien, c'est Jésus en personne qui le fait souffrir. Quand il était dans son ignorance, au moment où il ne connaissait pas encore Dieu, au moment où il vivait dans la loi pharisanique, il saisissait bien sa loi. De la manière que Jésus est venu, c'est comme si Jésus est venu pour tromper ou égarer les gens. Mais l'œuvre que Jésus a accomplie sur les disciples, Paul voulait donc les exterminer pour que l'enseignement de Jésus ne puisse pas progresser. Mais au moment où Jésus vivait, il a dit: le séjour des morts même ne prévaudra point contre elle. À cause de cela, le Saint-Esprit va rencontrer la personne de Paul. En ce temps, son nom était Saul. Quand le Saint-Esprit l'a rencontré, son nom a été changé en Paul. Il a entendu une voix qui lui disait de se lever et de prendre la voie appelée droite. Parce que Dieu avait apprêté un nom pour rencontrer Paul. Priez pour lui pour qu'il puisse avoir la première imposition de main et être rempli du Saint-Esprit de Dieu. Et le voile qui était sur lui puisse tomber. Cela a été une réalité avec Ananias. Et quand il l'a rencontré, il s'est levé. Paul a fait des miracles. Dieu l'a utilisé pour ressusciter des morts. Quelqu'un qui prenait un mouchoir pour toucher au corps de Paul et aller toucher à un malade, le malade est guéri. Dans 2 Corinthiens 12, ainsi vous lisez, il est dit qu'il a connu donc une personne qui a servi le Seigneur donc, et Dieu donc l'a élevé. Mais si la personne était dans son physique, il ne le sait pas, ou bien dans son esprit, il ne le sait pas. Mais lui, Paul, il le connaît. Donc, c'est dans 2 Corinthiens 15 que nous avons su donc qu'il y a 3 cieux. Parce qu'il dit qu'il a connu un homme qui a été enlevé jusqu'au 3e ciel. C'est là que nous avons compris donc que le premier ciel là, c'est là où nous avons les pieds fixés. Le 2e ciel là, c'est là où sont donc les étoiles et la lune. Le 3e ciel là, c'est là où se trouve le trône de Dieu. Paul a été, il est venu. Frères et sœurs, pour que Paul aille au paradis sans orgueil, le jour que Dieu a rencontré Paul, c'est comme si la lumière donc a grillé ses yeux. Quoi qu'on a prié pour lui, et donc il a recouvert la vue, il a permis donc à ce qu'il y ait une maladie en lui. Paul, son corps physique même guérissait des malades. Mais lui-même est malade et il n'est pas guéri. Il a dit qu'il a prié 3 fois le Seigneur pour l'éloigner de cela. Mais Dieu lui a dit: laisse la maladie en toi. Parce que c'est ma grâce qui te suffit ainsi. Est-ce que tu vois? Il se peut que le fait que tu n'as rien là, il se peut que le fait que tu n'as rien aussi, c'est une charte qui t'a été placée. C'était même si il gagne l'argent dessus, là, ils ne vont plus servir Jésus. Certains, quand ils gagnent 500 000, 1 million,
C'est aux femmes qu'il donne. Le peu que tu as là, tu ne peux même pas l'utiliser pour bien gérer ta famille. Tu ne peux pas l'utiliser pour servir Dieu. Dieu nous connaît de A à Z. L'église de Smyr, je connais votre tribulation. Je connais votre pauvreté. Malgré que vous êtes riche. Et je connais l'état de vie que vous vivez. Le Seigneur nous connaît individuellement. Il y a des gens ici ce soir là. S'ils avaient l'argent, ils ne seraient pas là ce soir. Est-ce que vous voyez? C'est même une maladie. La maladie de papa. Si on enlève la maladie, il ne va plus venir à l'église encore. Il dit, il m'a donné une écharde. Et il m'a donc enchaîné donc du diable. De me rabaisser. De m'humilier pour ne pas être châtié du diable. Rappelez-vous que c'est l'orgueil qui a fait chuter Lucifer. Et tout orgueil sur la terre, qui qu'il soit, si tu veux concurrencer contre Dieu, sache que tu vas tomber à terre. L'orgueilleux tombera. Et le humble, celui qui est humble sera élevé. Ceux qui vivent dans l'orgueil, ça c'est que c'est un caractère du diable. Si tu es né réellement de Dieu, si ton nom est dans le livre de vie, tu ne peux t'enorgueillir sans avoir une écharpe en toi. Il a mis donc des cadenas. Quand il s'enorgueillit, arrivé au niveau donc des pointes, les choses pointues donc piquent et il redescend. Voilà pourquoi il dit, quand on m'a placé une écharpe pour en sorte que quand je m'enorgueillis, que cela me rabaisse pour que je puisse m'humilier. C'est ça la grâce de Dieu. Paul a prié, il a demandé trois fois à Dieu. Dieu lui dit, ma grâce te suffit, Paul. Écoutez-moi bien. Paul dit, voici, si tel est le cas, je te rends grâce de toutes mes faiblesses. Si tel est le cas, je vais accepter les mépris. Je vais accepter la souffrance. Je vais accepter les mépris. Je vais accepter tout. Christ à cause de Christ, parce que dans mes faiblesses là, je vois la puissance de Dieu se manifester. L'humilité, il y a la puissance de Dieu en cela. Dieu n'est pas dans le mouvement de tout genre là. Si vous rappelez de la venue du Saint-Esprit, les dix cœurs vont, une tempête est venue. Mais personne n'a parlé en langue. Dis encore. Du feu, semblable à des langues de feu. Personne n'a parlé en langue à ce moment. Il dit que troisièmement, tout à coup, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue. Parce que c'est le parler en langue qui est le signe qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Même quand Élie a fui pour se plaindre dans la caverne, il est dit que le vent a traversé. Dieu n'y était pas. Il y a eu tremblement de terre. Dieu n'y était pas encore. Il dit même que le feu est passé. Mais Dieu n'y était pas dans le feu. Mais peu de temps après, Élie a entendu une voix, une douce voix, qui disait, tu es ici pour faire quoi? On a tué tous les prophètes de Dieu et je suis le seul rescapé. Et lui aussi, on cherche à lui ôter la vie. Et la voix de Dieu lui dit, et quand il sortait, Dieu avait préparé donc une braise Zima. Et du feu, du poisson, également de l'eau. Et Dieu lui dit, mange et bois l'eau et avance dans ta marche, parce que ton chemin est encore long. Frères et sœurs, c'est de cette manière que le Seigneur vit avec vous et moi. Ce ne sont pas des richesses, ce ne sont pas des mouvements de foule. Vous ne pouvez faire tomber les gens ici. Dieu n'y est pas.
C'est dans le silence et dans le calme. Vous comprenez? Et la puissance se manifeste. Humilie-toi et Dieu va te lever. Sinon, l'orgueil va nous faire perdre. Alléluia. Alléluia. Paul a dit, voici, j'ai compris maintenant le service à Jésus. Oui. Si vous voyez, quand il a écrit à l'église de Philippe, il a dit, si c'est concernant moi, Paul, vous avez bien fait du fait de me soutenir. Vous avez essayé, mais vous n'avez pas pu. Mais pour moi, je me suis habitué à la fin. Si je suis dans la fin, entre Dieu et moi, c'est toujours, nous avons le même contact. Et également, j'ai mangé à satiété. Et quand je suis rassasié, je n'oublie pas Dieu. Je ne suis pas insensé ou bête non plus. Deuxièmement, je suis habitué donc à la richesse. Et si je suis, j'en ai, je ne m'enorgueille pas. Je fais selon ce que Dieu me conduit. Je suis également habitué à la pauvreté. Si je suis dans la pauvreté, entre Dieu et moi, il y a toujours le même contact. Mais deux fois, j'ai besoin que je manque. Oui. Je manque de foi certaines choses. Mais il y a des temps aussi que je gagne ce que je veux. Mais ce n'est pas de ma propre force. Mais j'ai pu faire cela grâce à la force que Christ me donne. Voici donc le nerf de la vie chrétienne. Ce ne sont pas les richesses. Il va falloir être habitué au moment où tu en as, que tu glorifies Dieu. Au moment où tu n'en as pas, que tu glorifies Dieu. Si tu gagnes, glorifie Dieu. Si tu n'en as pas aussi, glorifie Dieu. Si tu dors donc affamé, rends grâce à Dieu. Au moment où tu seras rassasié, que tu ne sois pas bête ou insensé. Pourquoi le livre d'Ecclésiaste dit que mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison où il y a des festivités à l'occasion des mariages? Si Jésus doit venir, même ceux qui sont attachés, donc ceux qui doivent servir les gens là, ils ne vont pas être enlevés. Ceux qui sont assis dans la réception et qui ont faim là, nous sommes assis et tu es en train de passer avec la nourriture, non? Dans la colère là, même s'il y a à manger aussi, s'ils sont rassasiés, ils ne savent même pas que Dieu existe. Ils rient au hasard et ils marchent comme ils veulent. Est-ce que vous comprenez? Mais s'il y a un cercle qui est posé, si nous sommes dans une maison de deuil, tu penses, un jour je serai couché à ce même endroit. Mais si c'est moi qui suis couché là, que ferais-je? Mais dans la maison de deuil, là, on va entrer et dire, voyez le frère qui est couché. Nous tous allons nous coucher un jour comme ça. Que chacun se prépare. Mais un jour de mariage, il n'y a pas de préparation. Prépare-toi pour venir manger. La nourriture nous est tellement embobinée et nous ne savons même plus que Jésus doit venir. Quand nous sommes assis à table et on parle que Jésus doit venir, là, on est capable même de lui dire de patienter parce que toi, tu n'as pas encore fini ton assiette. Parce que personne, une personne qui a la pensée, au moment où il est rassasié, pour glorifier Dieu, il n'y en a pas. Frères et sœurs, de la manière que la Bible nous conseille, c'est assez suffisant pour nous donc de mettre fin à nos mauvaises vies. Je veux que chacun de nous puisse se rappeler que les gens arrêtent le fait de dire que j'ai tout arrêté et je sais Dieu, je suis Dieu. Et tous mes promotionnaires sont partis me laisser. Nous avons ensemble eu le baccalauréat. Mais aujourd'hui, là, il est en France. On l'a pris comme professeur là-bas. Je ne comprends même pas le sens même de ma vie. À l'église, je fais toutes les activités possibles. Mon frère, ce n'est pas le cas.
Paul est habitué à manger, à être rassasié, à être donc dans la foi, les membres. Mais dans toutes les situations, Paul n'a jamais méprisé ou négligé Dieu. Mais l'église de Smyrne, malgré leurs souffrances, malgré leur pauvreté, malgré leur patience, malgré tout ce qui s'est passé, l'église de Smyrne a souffert dans la pauvreté et dans les richesses également, dans les prisonnements même. Mais ils ont accepté ce que Jésus a dit. Faites le bien jusqu'à la mort. Parce que la couronne de vie vous est réservée. Frères et sœurs, je répète encore, faisons un effort. Écoutez, si nous voulons, nous pouvons tout manquer sur la terre. Mais fais un effort pour ne pas manquer la vie éternelle. Ne permet pas que la pauvreté, que la joie, que la richesse, te permettent d'oublier Dieu et vivre ce que tu veux. Ce soir, que la miséricorde de Dieu agisse. Que l'amour de Dieu soit à l'œuvre. Voici une église qui est sans problème et qui a vécu dans les problèmes, qui a vécu dans la souffrance. Allez! Ils ont vécu avec des gens qui se disaient juifs et qui ne le sont pas. Même nous qui sommes ici là, il est dit même qu'il y a des serviteurs du diable qui sont là. Parce que cette église, il est dit qu'ils ont éprouvé ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pourtant pas. Et ils ont même insulté le peuple de Dieu. Demande à ce que chacun de nous ne vient pas à l'église pour insulter les gens. Ne vient pas à l'église pour ne pas considérer les gens. Ne vient pas à l'église et être une personne qui ne considère pas les gens. L'église de Smyrne, il y a des gens qui se sont trompés des juifs, qui se sont pris pour des peuples de Dieu et qui ne savent pas, et pourtant c'est pas vrai. Ce sont pourtant des serviteurs du diable. Et c'est eux-mêmes qui vont conduire les gens en prison. Parce que il y a des gens, si tu les suis, ils vont t'emmener dans des prisons spirituelles. Que chacun comprenne. Celui qui vit une désobéissance, il se met dans une prison. Toute personne qui désobéit à Dieu, qui veut ce, qui fait ce qu'il veut, que la personne sache ce soir qu'il est agent du diable. Et tu peux amener bon nombre de personnes en prison. Il est dit agent de dire à cette église là, fais le bien jusqu'à ta mort. Ne permets pas à ce que quelqu'un vienne corrompre ta bonne décision. Ce que tu as décidé de d'obéir là, ne permets pas à quelqu'un de te corrompre. Voilà pourquoi certains donc ont trompé d'autres personnes et ils ont pris donc des monnaies. Parce que les agents du diable là, ils sont à l'église, ils vont aller prendre des monnaies et ils vont venir te retromper. Que quand lui il est sorti là, il a eu un mari. Quand il est sorti, il a eu l'argent. C'est quand je suis sorti que j'ai eu la moto scooter là. Est-ce que tu vois? Quand il vient te tromper, c'est pour que tu le suives dans sa perdition. La manière qu'il vit, que toi également tu vives cette vie. Si tu acceptes sa séduction là, et tu n'acceptes pas la souffrance, tu n'acceptes pas les souffrances ou les mépris, et tu ne sais pas que le fait que ta promesse Dieu, là, Dieu est au courant de cela. Et le fait que tu n'as pas encore de l'emploi, Dieu est au courant de cela. Accepte de demeurer ferme dans cela et fais le bien. Accepte et demeure dans cela pour faire le bien. Veille car c'est l'épreuve de ta foi.
C'est l'épreuve de ta foi. Le livre de Jacques dit, heureuse est la personne qui va demeurer ferme pendant le temps d'épreuve, quand après avoir été éprouvé, et qu'il supporte patiemment la tentation. La vie, la couronne de vie est réservée pour la personne. Si une personne est là et qui sait clairement qui veut la couronne de vie, que tous ceux à qui donc la couronne de vie a été promis vont souffrir. Vous allez vivre dans des mépris et des souffrances. La Bible a été déposée ici. L'examen pour lequel tu dois avoir la couronne de vie, tu dois traverser la souffrance, tu dois traverser les prisons, tu dois traverser les épreuves et la souffrance, parce que tu dois passer par là pour avoir la couronne de vie et pouvoir réussir à cet examen. La couronne de vie est déposée, mais ceux qui vont prendre bénéficier, c'est ceux qui vont être admis à l'épreuve. Il y a une couronne qui est posée. C'est une couronne pour laquelle il faut souffrir pour aller prendre. Mais si tu veux cette couronne-là, ne te décourage pas. Dans la zone dans laquelle tu es, fais le bien jusqu'à ta mort. Et tu auras la couronne de vie. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Que tout le monde comprenne que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité.